Bonjour tout le monde, et oui, c'est lundi, on se retrouve un petit peu plus tôt que prévu cette fois parce que il va y avoir du foot pendant la semaine, une 19e journée qui se jouera de demain à jeudi avec la possibilité donc de jouer quelques cartes importantes. Mais revenons avant ça sur la bonne forme des mauves du moment dans ce FPL Show. 5 matchs sans défaite, toutes compétitions confondues, 3 victoires de suite en Jupiler Pro League et des joueurs qui sortent du lot. C'est la recette qui fonctionne pour l'instant au Sporting. Et le soulier d'or en personne incarne cette réussite, vous le voyez ici. 10e au classement des milieux de terrain cette saison, l'Israélien a mis un petit peu de temps, c'est vrai, à trouver son rythme dans l'effectif du Prince. Mais lors des 3 dernières journées, Refa est en feu avec 3 buts en 3 rencontres, de quoi le faire entrer dans ce top 10 et probablement dans votre équipe. Vous étiez d'ailleurs 11% à lui faire confiance, malgré son prix onéreux, on le rappelle, 9 millions d'euros. Lui aussi est dans le top 10, mais des gardiens de but. Si Hendrik Van Krombruck a dû se retourner 24 fois cette saison, il a quand même souvent sauvé des points, on peut le dire, pour le Sporting. Une 3e clean sheet face à Serein et 48 points au total. Seulement 3 de moins que Maurice, par exemple, qui trône à la 5e place. De quoi donner un petit peu de confiance à ceux qui lui ont fait confiance. 2 joueurs se détachent clairement dans cet effectif cette saison et tirent le Sporting vers le haut. Commençons avec un certain Joshua Zirkzee, ou tout simplement l'un de vos joueurs préférés derrière Undav, de Ketelaar ou encore Tissou Dali. Le buteur Anderlechtois est impliqué dans 12 buts du Sporting avec 8 buts et 4 assists et ne compte pas s'arrêter là. Une bouchée de pain, 5 millions seulement, c'est ce qui vous coûtera pour vous offrir les services de Sergio Gomez. Évidemment, lui aussi a un pied dans 12 buts cette saison et incarne clairement la révélation de la saison chez les Mauves. Gomez est partout et tout le temps, c'est la constance qui peut faire la différence dans votre équipe, étant donné qu'il n'a été pas décisif dans seulement 7 rencontres. Que ce soit avec un Mauve ou avec un autre joueur cette semaine, c'est peut-être le moment de jouer vos Power Subs, vu le calendrier chargé qui attend les clubs du Royaume en quelques jours. Dites-nous justement dans les commentaires qui sont les joueurs sur votre banc et quel Mauve fait partie de votre formation. On vous souhaite évidemment une bonne chance et une bonne semaine chargée sur nos antennes. Et on se voit vendredi. Ciao !